Et c'est parti, bonsoir à vous toutes et à vous tous, 18h pile, vous êtes sur 01net TV, c'est 01 live hebdo et en ce 1er décembre, un peu friscouné, on se retrouve pour 30 minutes de débrief de l'actualité high-tech. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. C'était le plus grand site français de téléchargement pirate, Zone Téléchargement. Que tu connaissais par cœur, Jérôme. Pas du tout, il a été débranché par les gendarmes, ses responsables arrêtés. Alors, coup dur pour le piratage ou coup d'épée dans l'eau? Vous allez tout savoir grâce à notre spécialiste Gilbert Kallenborn dans un instant. Je plaisante, hein, Jérôme, tu n'y es jamais allé. Bien sûr. Pendant ce temps-là, la vidéo légale s'améliore, les amis. On va pouvoir enfin regarder Netflix en avion ou dans les transports grâce au mode hors ligne. On l'attendait, il est là. Est-ce vraiment aussi bien que ça en l'air? Eh bien, vous savez quoi, on va en parler dans quelques instants. En l'air pour les avions, c'est ça? Exactement. Voilà. Apple ouvre son 20e magasin en France. Il est tout beau, tout neuf, cet Apple Store, avec de la verdure, des iPhones partout, bien sûr. C'est à Paris, et nous l'avons visité pour vous. Et c'est très excitant. Dans ce 01 Live aussi, vous découvrirez également le premier robot au monde qui prépare, vous savez quoi, des sushis. Et Jérôme l'a rencontré, a même mangé des sushis en plastique. Oui, enfin voilà, en plastique, exactement. Dans l'actualité cette semaine, deux piratages incroyables. En Allemagne, un logiciel malveillant a privé d'Internet des milliers d'abonnés. Et puis aux États-Unis, ce sont les transports en commun de San Francisco qui ont fait les frais de cyber-escroc. Alors, comment est-ce possible? Est-ce que ça peut nous arriver? Ici en France, ce sera le thème de la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier. Et puis après, direction le labo, David Noguera viendra nous présenter en avant-première la nouvelle montre connectée de Samsung, c'est la Gear S3. Et aussi un vidéoprojecteur que vous allez rêver d'installer dans votre salon. C'est vrai qu'avec les températures qui baissent, c'est bien de faire un home cinéma à la maison. Voilà, c'est 01 Live Hebdo comme chaque jeudi soir, c'est parti. Et le hashtag 01 Live, nous sommes en direct, vous pouvez d'ores et déjà nous poser des questions, réagir à l'actualité, au sujet qu'on va évoquer, c'est vrai qu'ils sont riches ce soir. Ouais, et François, on précise que ce soir nous sommes diffusés sur YouTube et également sur Facebook. Oui, sur Facebook Live, sur la page de 01net.com. Voilà, et on salue, on vous salue si vous nous regardez par le biais de 01net. Comme chaque jeudi soir, une question d'actualité que l'on vous pose. Aujourd'hui, elle concerne cette actu à propos de zone téléchargement, je vais y arriver. Selon vous, la fermeture de zone téléchargement est-elle un coup dur porté au piratage en France? Donnez-nous votre avis, oui ou non. Pour cela, vous allez sur www.01net.com. Voilà, et on fera un petit point, bien sûr, sur ce sondage tout au long de la soirée. Notre question 01net Orange, comme chaque jeudi dans ce 01 Live Hebdo. Nous allons maintenant revenir sur ce sujet quand même assez passionnant. Hein. On revient régulièrement sur le piratage, Jérôme. Avec ça faisait Gilbert un moment Kallenborn. Qu'on n'en parlait plus, en fait. C'est vrai. Et puis là, patatras. Voilà, un gros morceau quand même du téléchargement illégal. Salut Gilbert, merci d'être là. Salut. De la rédaction de 01net.com. Qui a suivi ce dossier. Ouais. Oula, qui a même des papiers et officiels en tête du ministère de l'Intérieur sur son bureau. Défense, confidentiel défense. Regardez ça. Ça fait peur. Voilà, attendez. Donc ça, j'imagine que c'est les communiqués officiels. Alors, ouais, le réseau de zone téléchargement. Ouf. Bon, oui, attention. Hein. Donc le cours magistral, c'est le 11e site, classé 11e site en France, donc quand même un gros site. Ouais, 11e site, tout site confondu. Tout site confondu, d'après les statistiques de Alexa. Oui, c'était un champion du téléchargement illégal, quand même. Absolument, donc voilà. Tout le monde le connaissait, en fait. Hein. Alors, tout le monde y allait, mais personne n'y allait, en fait. Mais comme toujours avec ce genre de site, hein, voilà. C'est ça. C'est comme Arte, tu sais, tout le monde dit « Oui, je regardais Arte », et puis en fait, tout le monde regarde à une, quoi. C'est pas vrai, moi, je regarde Arte. Oui, bon, mais bon, si, je me cache, je m'en vante pas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, donc la nouvelle est tombée le 28 novembre, donc zone téléchargement.com, tout d'un coup déconnecté, plus rien. C'est le désespoir sur les réseaux sociaux et donc la nouvelle par Twitter, hein, les gendarmes sont très modernes. Oui, en fait, les gendarmes ont fait une descente. En fait, on fait une descente, ils ont saisi en Allemagne, en Islande, des serveurs ont été saisis. 7 personnes ont été interpellées, dont 2 qui sont des présumés administrateurs de zone téléchargement. C'était un site de téléchargement direct. Hein, de téléchargement direct, donc ce n'est pas du pire. C'est pas du pire tout pire. Voilà, c'est du téléchargement direct. Et donc on allait sur ce site, un premier lien nous redirigeait en fait, enfin redirigeait les pirates, vers un deuxième site qui s'appelle DL Protect, qui en fait était le protecteur de liens. Et après coup, on arrivait donc au téléchargement proprement dit.
D'accord. Oui, c'était quoi? C'était un annuaire de liens ou c'était vraiment un site qui hébergeait des fichiers? Ils hébergeaient réellement les fichiers, ce n'était pas simplement un annuaire, donc il y avait réellement des fichiers qui étaient uploadés par cette équipe de deux personnes, donc a priori, qui sont maintenant, peut-être plus, et qui sont maintenant incarcérés, donc l'un à Toulouse et l'autre en Andorre. Alors dites-nous, hashtag Zéro Enlève, qu'est-ce que vous en pensez de la fermeture de ce site Zone Téléchargement? Ben voilà, vous pouvez réagir en temps réel. Hashtag 01 live. Bon, alors, ce site a fermé. Est-ce que ça a complètement, on va dire, bloqué le téléchargement de films et de fichiers sur le web, Gilbert? Alors, Zone Téléchargement... Alors, juste pour revenir sur la petite surprise, le 29 novembre, le site zonetéléchargement.com revient. Il est de nouveau en ligne. Mais en réalité, il est réapparu au CISEC. Voilà, il est réapparu au CISEC. Donc, en fait, les administrateurs ont dû faire un backup des données. Le problème, c'est que en fait, les liens ne fonctionnent plus parce que le protecteur de liens qui était en réalité faisait le lien avec le fichier à télécharger, eh bien, lui n'est toujours pas actif. Donc c'est simplement une coquille donc vide. C'est une coquille vide. Ouais. C'est une coquille vide. Mais pour l'instant, ou est-ce que le temps qu'ils mettent à jour les serveurs, etc., qu'ils mettent à jour tout le système, ça va remarcher ou voilà, On n'en sait rien. On n'en sait rien. D'ailleurs, aujourd'hui, le site est de nouveau tombé. Il est de nouveau dans les choux, en fait. Donc, à mon avis, l'histoire de zone téléchargement.com est finie. Que risque les... Attends, c'est important ce que tu viens de dire. Oui, à mon avis, c'est fini. C'est parce terminé. Que... C'est terminé. Voilà. C'est mon avis. C'est ton avis. Que risquent les personnes qui ont été arrêtées là? Ça peut aller loin? Alors ça peut aller assez loin quand même parce qu'ils sont accusés donc d'après les gendarmes. Dans le micro, hein, Gilbert. Donc exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, contrefaçon en bande organisée et blanchiment aggravé. Ouais, ça fait mal. Oui, en effet, parce qu'il n'y avait pas seulement des serveurs, il y avait également des comptes bancaires en Andorre, à Chypre et une société offshore à Belize, donc dans un paradis fiscal. Donc c'était quand même un peu organisé en fait. Et donc il risque 750 000 euros d'amende et 7 ans de prison en fait au maximum. D'accord. Donc voilà, on va dire que il y a un gros acteur du téléchargement illégal qui s'arrête. Cela dit, on disait... C'est un acteur parmi d'autres. Voilà, on disait à demi-mot. Le téléchargement illégal n'est pas terminé pour autant. Donc, il y en a déjà d'autres, sites comme ça. Il y a d'autres sites de téléchargement direct. Et puis après, il y a encore tous les réseaux peer-to-peer qui continuent d'exister. Mais eux sont sous la surveillance de la Hadopi, malgré tout, en France. C'est-à-dire que si on ne prend pas ces précautions et qu'on fricote avec les torrents, avec le peer-to-peer, on peut se prendre quand même une sanction. Hein. Oui, exactement. Absolument. Le téléchargement direct n'est pas supervisé par la Hadopi. Oui, il ne passe pas sous les radars en fait, de la Hadopi. Est-ce que y a d'autres sites, à ton avis, qui pourraient être visés dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors c'est possible. Alors déjà, il y a quelques semaines, il y a eu un autre site qui a été déconnecté, c'est WAPCD. Alors c'était un site un petit peu plus élitiste de téléchargement de musique. Mais par exemple, la SACEM nous a indiqué qu'il y avait d'autres plaintes en cours. Donc, donc c'est peut-être que le début. Voilà, c'est peut-être que le début. Bon. Merci beaucoup Gilbert. Merci. Alors justement, cette fermeture de zone téléchargement est-elle pour vous un coup dur porté au piratage en France ou bien est-ce simplement un coup d'épée dans l'eau? C'est, vous le savez, notre question orange du jour. Et voici la tendance. Bon, on va dire que ce n'est pas trop une surprise. À 70%, vous pensez que non, ce n'est pas un coup dur pour le piratage. Bon, continuez à voter. Parce qu'on le voit, malgré tout, c'était un très gros site et ça peut-être aussi effrayer d'autres acteurs du piratage. Sûr. Mais bon, c'est vrai qu'en général, tu coupes la tête de ce genre de site, tu as d'autres têtes qui sortent partout. Ouais. Et voilà, c'est difficile de combattre quand même le piratage aujourd'hui. Le piratage qu'on ne vous conseille pas, bien évidemment. Il y a Yoni qui nous dit « Ça fait longtemps que je n'ai plus téléchargé depuis l'arrivée de Netflix. Belle transition !» Mais non, mais c'est vrai que Netflix a carrément changé nos usages, un peu comme Spotify. Avant Spotify, c'est vrai. Pour certains d'entre nous, on téléchargeait des fichiers. Ouais. Et bien maintenant, avec Spotify, on donne 10 euros par mois. On a toute la musique qu'on veut. On n'a plus besoin et plus envie de télécharger. Netflix, c'est vrai, et fait à peu près la même chose avec la vidéo, Jérôme. Et une grosse news est tombée cette semaine concernant Netflix et on l'attendait. Celle-là. Ah oui, on l'a demandé, on l'a réclamé à corps et à cri. Netflix n'était pas d'accord jusqu'à présent. Et bien maintenant, ça y est, il craque.
on peut télécharger des vidéos sur Netflix. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas du réseau partout. Hein, si vous entrez dans un avion, au bout d'un moment, vous êtes coupé du monde. Et puis il y a plein d'autres situations dans la vie où on est comme ça coupé d'Internet. Eh bien là, si on prend ses précautions, avant de partir, on peut télécharger les séries, les épisodes et les films voilà, qu'on veut emporter. Comme on peut le faire avec l'application MyCanal, hein, si vous êtes abonné à Canal+. Oui, MyCanal, depuis deux ans, on peut faire ça sur MyCanal. Ou même sur Canal Play, hein, qui est un petit peu le Netflix français concurrent. On peut télécharger des contenus. Alors, ça fait un moment que cette rumeur traînait. Hein. Moi, je me souviens, j'avais eu la chance de rencontrer Reed Hastings, le grand patron de Netflix, juste avant le printemps. Je lui avais posé la question, est-ce que voilà, ils envisageaient de passer en téléchargement en fait, de certaines séries, et à demi-mot, il m'avait dit qu'ils y travaillaient. Donc voilà, c'est quelque chose qui était véritablement latent, parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est vrai qu'on a tous du très très haut débit, mais aujourd'hui, Netflix est dans plus d'une centaine de pays, et dans des pays parfois où il n'y a pas de haut débit. Oui, absolument. Et donc dans ce cas précis... Ils viennent de se lancer en Inde, etc. Voilà, on n'a pas d'autre solution que de télécharger, dès qu'on trouve un peu de Wi-Fi, de télécharger du contenu, pour après se le regarder tranquillement. Donc voilà, c'était presque vital pour Netflix de trouver, on va dire, une nouvelle technique pour peut-être aussi booster son nombre d'abonnés, parce qu'on voit que Netflix, depuis un certain temps, stagne. Voilà, il n'y a pas énormément de nouveaux abonnés chez Netflix, et peut-être que cette nouvelle fonctionnalité va en séduire quelques millions supplémentaires. Alors comment faire pour télécharger des vidéos? Eh bien, pour tout savoir, allez donc lire l'article qui a été posté aujourd'hui sur 01net.com, et il y a même une vidéo qui est en ligne, Pierre, déjà. Voilà, elle est en ligne, donc en une minute, vous saurez tout sur la manière de procéder. Parfait. Il est 18h13, vous êtes sur 01net TV, au cœur et en direct de ce 01 Live Hebdo. Vous nous suivez peut-être sur YouTube, sur 01nettv.com ou sur Facebook Live sur le compte de 01net. On vous salue, vous pouvez réagir en temps réel et nous laisser vos petits messages avec Twitter aussi et le hashtag 01live. Et on jette un coup d'œil maintenant dans un magasin. Oui, un magasin, parce qu'il y a des magasins qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Hein. Il y a une espèce de mythologie autour de certaines boutiques. Hein, moi, j'aime bien, oui. Un magasin qui va ouvrir samedi à Paris. Et regardez, eh ben c'est tout simplement le nouvel Apple Store français. Alors c'est le 20e Apple Store. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que bah non seulement c'est le plus grand, visiblement, il ferait à peu près 1300 m², et puis surtout c'est le premier en France qui adopte les codes des nouveaux Apple Store. Il y en a un seul comme ça qui existe déjà, c'est à San Francisco, à Union Square. On y était, François, il n'y a pas très longtemps. Voilà, et on le doit à Angela Arendt. Voilà, c'est ça qui est la senior vice-présidente de l'Apple Retail, hein, donc la patronne des Apple Store. Qui a été débauchée chez Burberry. Chez Burberry, voilà, et qui petit à petit apporte sa patte et voilà, donc voilà, repense y a plein de ses concepts, Apple Store. Donc ce fameux concept, c'est un mur vidéo, un espace de coworking, etc. Et là, ce que vous voyez, ça s'appelle le boardroom. Et alors, c'est un petit peu le carré VIP de l'Apple Store. Oui, on y était. C'est un endroit où seront accueillis les développeurs et les chefs d'entreprise pour venir se faire briefer par des responsables d'Apple. Regardez ça comme c'est beau, c'est magnifique. Et puis toujours ces tables en bois qui sont superbes. Voilà, vous savez que le bois vient d'un arbre bien spécifique, etc. Ça, c'est le fameux bouquin qui reprend tous les produits d'Apple et qui coûte 300 €, ça. C'est ça. Il y a deux versions, il y en a une à 200, un peu plus petite, et il y en a une à 300. D'accord. En fait. Ouais. Ils ont fait deux modèles. Voilà. En tout cas, si vous passez sur Paris, au marché Saint-Germain, cet Apple Store ouvre samedi prochain. Allez, encore une dernière news avant de retrouver Delphine Sabatier qui va nous parler de piratage ce soir. Vous allez voir qu'il y a de quoi flipper un peu. Regardez ce robot qui peut-être dans quelques temps vous nourrira. C'est le robot qui fait les sushis. Il fait ça lui-même. Alors, c'est pas facile à faire des sushis. Moi, j'ai déjà essayé, c'est pas évident. Oui, tu m'avais envoyé une photo d'ailleurs. On aurait dit un steak haché, ton sushi. Et celui-là, regarde, avec deux bras programmables, bien entendu, il est capable d'attraper le petit truc de riz. Il met un peu de wasabi, bien comme il faut. Oui. Mais voilà, ça, c'est de l'omelette. Mais dis-moi, j'ai l'impression que là, tes sushis sont un peu en plastique. Oh, tu chipotes. Oui, ça, ce ne sont pas des vrais sushis. Ah, parce d'accord. que c'est une démo, en fait. C'est un showroom qui vient d'être lancé par Kawasaki dans le centre de Tokyo. Et on y était il y a quelques jours. Et effectivement, c'est pour montrer ce qu'il est possible de faire. On peut penser. Ça marche aussi pour les pizzas, vous voyez. Il peut aussi faire des pizzas. Et avec on peut des penser sushis dessus ou non il alors, pas. Ça, alors sauf non, peut-être que, imagine, si tu pirates le robot, oui, tu fais des pizzas au sushi. Alors là, c'est la catastrophe là. C'est l'enfer.
Voilà, ça, on le verra peut-être dans des restaurants plus tard. Alors, oui, puis alors, il peut aussi nous tirer le portrait. Voilà, on se fait prendre en photo et ensuite il dessine. Il va te croquer. Ouais, il me croque. Une vidéo complète vous attend sur 01nettv.com. Pour vous expliquer tout ça, comment tout ça fonctionne. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Vivement que ça arrive en France. Hein, ouais. Enfin, peut-être pas dans des restaurants gastronomiques, hein, mais bon. Ça va se répandre, moi, ce genre de choses, je suis sûr. 18h15, le hashtag 01live si vous voulez réagir en direct durant ce 01live hebdo. Et dans un instant, Delphine Sabatier nous rejoint. Juste après Delphine Sabatier, c'est David Noguera qui nous rejoindra. Il nous dira ce qu'il pense de la Gear S3, qui est la nouvelle montre connectée de Samsung. Il a testé aussi un super vidéoprojecteur qui peut être peut-être une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Merci d'être avec nous comme tous les jeudis. Delphine, directrice. Je ne sais pas si tu as remarqué, elle a froid. Oui, elle a froid. C'est l'hiver et voilà. Il fait moins de zéro. Voilà, c'est ça. Mais non, mais en plus, c'est vrai, il fait, avec tous les spots, là, il ne fait pas très chaud. Non, mais je peux l'ouvrir, c'est bien. Attention, Delphine. Attention. On va faire YouTube, ça va bien se déchaîner. On va faire de l'audience, mais... Je ne réponds rien. Voilà. On va parler plutôt de piratage en Allemagne. Delphine, faites-nous peur. Que s'est-il passé? On passe du tout au tout, là, tu sais. Voilà. Pas de problème. Que s'est-il passé en Allemagne? Près d'un million d'internautes ont été victimes d'un incroyable piratage. Oui, ça s'est passé pendant deux jours quand même. On a eu effectivement 900 000 abonnés à Internet qui ont été coupés, privés de connexion ou qui ont connu de très très graves perturbations. Alors c'était en Allemagne, pourquoi? Parce que ça concernait plus particulièrement les abonnés de Deutsche Telekom qui avaient mis en place un certain lot de modems, de routeurs qui ont été visés par cette attaque. Alors ce sont vraiment des routeurs qui ont été visés, c'est pas du tout géographique comme attaque, ce qui veut dire qu'elle aurait pu avoir une ampleur aussi bien plus importante, d'accord, européenne, voire mondiale. Alors... Ce qu'on sait aujourd'hui, d'abord tout est rentré dans l'ordre puisque Deutsche Telekom a travaillé avec le fabricant de routeurs pour réparer la faille, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette attaque a échoué finalement. Et c'est parce qu'elle a échoué qu'il y a eu des problèmes, des perturbations sur le réseau Internet pour les abonnés. Quel était l'objectif à l'origine? C'était en fait de faire comme ce qu'avait fait Mirai. Alors Mirai, on rappelle, c'est un botnet en fait qui a été créé pour piloter à distance des objets connectés. Il s'agissait d'infecter un objet connecté après l'autre. Et qui a paralysé le web mondial. Mener une attaque massive et ça a paralysé effectivement des sites majeurs aux États-Unis. C'était en octobre, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on est vraiment sur le même type d'attaque, la répétition d'un Mirai qui aurait permis d'infecter des box l'une après l'autre pour ensuite les piloter vers une attaque dont on ne connaissait pas l'objectif final. Donc heureusement, celle-ci a échoué, mais ça veut dire aussi qu'il y a sans doute des modems aujourd'hui dans le monde qui sont infectés par ce virus et on ne sait pas encore, on n'en a pas encore vu les effets, on ne sait pas encore quel est l'objectif final. Et peut-être pas uniquement en Allemagne. Absolument, d'ailleurs il y a eu des petites secousses qui se sont fait ressentir au Brésil, en Irlande, donc on est sur un phénomène mondial, et d'autant plus sur les modems routeurs qui sont fabriqués par des OEM, des fabricants assez communs à tous les opérateurs, ce ne sont pas des matériels propriétaires. Et alors c'est pas terminé, Delphine, ce week-end il y a eu une autre attaque, ça s'est passé à San Francisco, c'était un hack qui a rendu tous les transports publics gratuit. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Sympa pour les usagers. Ça, c'est cool. Pas mal. Hein. C'est mieux que la grève. Mais bon, c'est on ne sait quand même... pas que la RATP se fasse pirater. Hein, on ne va pas dire ça. Mais bon. C'est quand même assez préoccupant en termes de sécurité informatique. Donc là, on est dans un cas d'attaque avec demande de rançon. Donc c'est une pratique qui est de plus en plus courante. Il y a un pirate qui pénètre dans votre système informatique. Il crypte vos données et il vous en interdit l'accès. Pour tout récupérer, vous n'avez qu'une seule solution a priori, c'est... payer. Alors là, on appelle ça un rançongiciel, un ransomware, si on préfère le dire en anglais. C'est pas très joli d'ailleurs, ces mots-là, je trouve. Il faut en trouver un ni autre. Ni en anglais, ni en français. D'ailleurs. Ça s'est passé samedi. Alors la compagnie de transport en commun de San Francisco, elle n'a pas voulu payer. Il faut dire que le montant de la rançon était assez important. C'était 73 000 bitcoins. Ce qui fait à peu près 50 millions d'euros. Ah ouais. Ça dépend du cours, mais on est dans ces eaux-là. Autant, ça pouvait pas marcher. ça va se voir. Voilà, il y avait même une adresse de boîte mail russe pour faire le versement. Tout était bien prévu. Ouais. Donc la compagnie de transport en commun a préféré ne pas payer.
laisser justement tous ces transports, donc le tram, le métro, le bus, gratuit pour les usagers, en attendant de réparer, de restaurer son système. Parce qu'en fait, sur les machines de billetterie, eh bien, il y avait écrit en gros le message, vous êtes hacké, toutes les données ont été chiffrées. Donc voilà, plus de possibilités pour acheter son ticket. Alors, ce type d'attaque de ransomware, il est possible si on s'infiltre dans le système informatique, ce qui veut dire qu'il y a forcément une faute à un moment, intentionnel ou non, mais de quelqu'un qui participe à l'entreprise et qui a mis une petite clé USB ou un truc dans ce boulot, qui système, a cliqué sur un mail. Injecté ce logiciel malveillant. Ça peut aller effectivement très vite, comme tu le dis, ça peut être simplement un personnel qui branche une clé USB, charge un logiciel sans faire attention à ce qu'il a mis. Donc voilà, grande prudence pour tout le monde. On rappelle qu'il y a des banques aujourd'hui qui s'organisent, qui préparent des coffres de Bitcoin en cas d'attaque de ce type pour pouvoir payer et assurer un service continu à leurs usagers. Eh bien, dites-moi, et vous allez voir que régulièrement, avoir ce type de problème qui vont revenir, ça c'est clair. C'est sûr. Et ça risque un jour d'être très très grave. Hein. On n'est pas à l'abri d'une paralysie globale du web. C'est vrai, jusqu'ici, on appelle la vigilance pour chacun sur son appareil. Aujourd'hui, c'est aussi en entreprise, faites attention, ça peut avoir des impacts importants. Bien entendu. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup Delphine. Tiens, si on faisait un petit tour du côté de la question 01net Orange. Alors qu'il y a un vidéoprojecteur qui va arriver sur le plateau. Là, vous allez voir arriver un truc énorme sur cette table. C'est le Jerry le plus costaud de l'équipe hein, qui est venu apporter. Ouais, je vais le faire patienter un petit peu, bouge pas Pierre. Voilà. Vas-y. La fermeture de zones téléchargement est-elle un coup dur porté au piratage en France? Selon vous, donnez-nous votre avis. C'est un petit peu baissé, le non a un petit peu baissé au profit du oui. Non à 66%. Pour voter, www.01net.com, on attend votre avis. Et le hashtag 01live si vous voulez réagir en temps réel et nous laisser vos messages, on est connecté sur Twitter. David Noguera nous rejoint dans une seconde. Écoutez, il est tellement énorme ce vidéoprojecteur qui nous masque presque, Jérôme. Ça, ça irait bien dans ton salon. Il prend un peu de place. Je pense que ça prend, oui, c'est vrai que ça prend un peu de place. David Noguera est là. Bonsoir, David. Bonsoir. Salut, David. La rédaction de 01net.com. David est venu avec deux produits, un tout petit et un énorme. Voilà. Oui, et deux produits qui me plaisent beaucoup. On commence par le petit. Allez, on commence par le petit. Allez, c'est ces jolies montres que j'ai là dans les mains. Gear S3, nouvelle génération. Ici, le modèle classique qui brille un peu, hein, forcément. Ouais, voilà, le modèle Frontier. Et en fait, déjà, côté conception, effectivement, il y a du mieux, vraiment, puisque on connaît Gear S2 et ses deux déclinaisons aussi. Là, ici, on voit que les deux écrans ont quand même un peu grandi. On est passé sur du... Elles sont plus grandes. Elles sont un petit peu plus grandes. Ouais. Ouais, elles sont un petit peu plus grandes. Et c'est là, bien sûr, que je ne retrouve pas toutes mes notes. Mais c'est du 1,3 pouces de mémoire, 360 pixels de chaque côté. Et donc, du coup, effectivement, ce sont des produits qui sont quand même assez chers, 400€, mais beaucoup mieux finis. Moi, j'ai vraiment remarqué beaucoup d'efforts de la part de Samsung sur la qualité des matériaux qui ont été utilisés vraiment sur la couronne. C'est beaucoup plus précis. C'est très quali. C'est très quali. Juste une chose, c'est vraiment les montres stars de cette fin d'année. Parce que, bon, alors évidemment, il y a l'Apple Watch qui a été mise à jour. Ouais. Bon, voilà, il y a un petit peu plus cher d'ailleurs. Mais nous, on les avait vus à l'IFA. Cette sensation, vraiment, sans vouloir te couper, François, on est vraiment sur quelque chose. On va vers l'horlogerie. Mais complètement. Et moi, je me souviens très bien du discours de Samsung, lorsqu'ils avaient présenté ces montres à l'IFA, ils disaient justement qu'ils essayaient petit à petit, de génération en génération, de prendre les codes de l'horlogerie, en fait. Non, mais de toute façon, c'est la montre du futur, moi j'en suis persuadé. C'est-à-dire que dans quelques années, acheter une montre qui ne sera pas connectée, ça n'aura aucun sens. David, forcément, on a tendance à vouloir comparer cette montre avec l'Apple Watch, hein, parce que c'est vraiment peut-être les deux montres qui méritent les plus aboutis, qui méritent véritablement qu'on les challenge. Visiblement, en termes d'ergonomie, la Samsung se débrouille mieux que l'Apple Watch. Oui, parce qu'il y a cet OS qui est Tizen, donc pas Android Wear, et qui est... selon nous, quand même bien plus mieux adapté aux écrans ronds, très réactifs, beaucoup de fonctions, il y a des fonctions un peu autonomes, puisque cette montre, elle est GPS et puis altimètre aussi. Donc si on commence à faire un petit peu de rando pour le modèle Frontier, on va pouvoir effectivement récupérer ces informations. Et puis pour le coureur, la partie GPS, c'est aussi la possibilité de retrouver ses tracés après avec S-Health.
Enfin, elle est un peu grosse. Elle est un peu grosse. Voilà, c'est le problème, c'est que c'est vraiment dommage. C'est toujours pas des montres pour les femmes. C'est vraiment dommage. C'est peut-être le seul truc, voilà, qu'on peut reprocher à cette montre. Ouais. Elle est un peu mouse costaud. C'est une montre de mec. Hein, oui, tout à fait. Alors, je sais pas si on le voit, mais il y a en plus ces petits reflets là. On voit le contour d'écran a été travaillé pour prendre un peu la lumière. Bon, après, il y a une vidéo complète sur 01net de Raphaël Grably, mais voilà, là, on le voit légèrement sur les contours du cadran. Vraiment, tout a été vraiment soigné sur cette montre. Le souci, c'est que je trouve on que peut mettre le bracelet qu'on veut en plus. Exactement. Sur ce modèle Frontier, on est sur un bracelet où d'ailleurs ils nous en ont livré d'autres qui ne sont pas du meilleur goût, mais bon, il y a un petit bracelet un peu version croco, excuse-moi Pierre. Oula. Voilà, donc un peu la version croco et puis une autre version pour le modèle un peu plus, une version sport, rouge toujours. Ferrari un peu. Voilà. Si vous avez une Ferrari, voilà. Mais je trouve que le modèle Frontier. Un bracelet en plastique. Voilà, je trouve que c'est un peu sur le bracelet où on se dit quand même, bon, c'est encore pas tout à fait de l'horlogerie. David, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette montre? Donc, notifications, SMS, etc. Exactement, la dictée vocale, l'avantage c'est que comme elle a maintenant en plus, pour le coup un peu comme l'Apple Watch, un haut-parleur, on peut désormais passer des coups de fil avec son smartphone, s'il est à proximité et que la connexion Bluetooth est opérationnelle, bah, on peut du coup passer ses appels, et puis bien sûr avec, comme je disais tout à l'heure, l'intégration des capteurs GPS, cardio et altimètre, on peut aller faire du sport puisque 4 Go de mémoire interne, une connexion Bluetooth, un casque, et on peut aller courir en musique sans téléphone. Peut-être le petit inconvénient, c'est que comme c'est Tizen, évidemment, il n'y a pas énormément d'applis. Pour l'instant, le store d'appli est encore assez faible. On n'a pas une richesse d'applications. Voilà. Mais bonne nouvelle, Samsung annonçait 4 jours d'autonomie, on est sur un constat à 3 jours. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Dernière chose, est-ce qu'elle est compatible iOS, cette montre-là? J'ai un iPhone, je peux télécharger une appli? Ouais. Alors, c'est vrai, parce que du coup, j'ai essayé de le revérifier sur Gear S2. Alors, je crois que l'appli n'est pas encore disponible. Voilà, c'est ça. Il y a eu des APK qui ont fuité, qui ont été retirés, enfin, qui ont été un peu après... Enfin, des versions, pas des APK, pardon, c'est un terme Android, mais des applis iOS qui ont commencé à fuiter, puis ça a été retiré. Non, par contre, ce qui fonctionne désormais, c'est la compatibilité avec tous les smartphones, alors qu'avant, il fallait avoir Samsung. Mais la bonne nouvelle, nous, Samsung, nous l'avait garanti lors de l'IFA, c'est qu'une application iOS sera disponible pour cette montre-là. Le problème, c'est qu'elle tarde. Elle devait sortir à la rentrée, et voilà, c'est un peu un argument commercial, mais il ne faut pas rêver. Une montre même compatible iOS ne fera pas la même chose qu'une Apple Watch. Elle aura les notifications et mais visiblement, on pourra faire pas mal de choses avec quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas l'intégration d'une Apple Watch, mais tu auras les notifs, tu pourras... Mais bon, c'est déjà une passerelle ouverte. C'est pas mal. Donc pour cette Gear S3 qui coûte combien? 399 € dans ces deux versions, donc c'est quand même un peu cher. Et puis rappelons que dans certains pays, elle est même disponible en 4G, cette montre-là, mais elle ne sortira pas en France pour l'instant, parce que visiblement Samsung ne s'est pas mis d'accord avec les opérateurs, mais il existe une montre avec la possibilité de mettre une carte SIM 4G à l'intérieur pour qu'elle soit véritablement autonome. David, après le petit coup de cœur, le gros coup de cœur. Voilà, alors il est là. Ça, effectivement. Alors, je ne sais pas si on voit bien le voilà. Voilà, on a qu'est-ce qu'il se rend compte des proportions. Moi, je pense que dans mon salon, parce que David me le donne après, je pense que dans mon salon, il va être bien. Bon, écoute, une montre à côté. Je te laisse volontiers, là. C'est trop gros. C'est vraiment énorme. Mais c'est un super produit. Alors là, on est vraiment sur le très, très gros vidéoprojecteur d'Epson, toujours numéro 1 sur le marché du vidéoprojecteur. Donc, EHTW9300W. C'est un monstre. Il a pris par cœur. C'est un monstre qui coûte quand même 3 500 €, 3 300 pour être plus précis. C'est 3 300 sans le système de diffusion vidéo sans fil et 3 600 avec le système de vidéo sans fil. Il y a diffusion vidéo sans fil. Et il y a effectivement ce logo 4K Enhancement qui est en fait la capacité de faire de la simili 4K avec une technologie de wobulation, c'est-à-dire exactement. Ouais. Donc c'est un vidéoprojecteur qui du coup est beaucoup moins cher, voire quasi moitié prix. Quand tu es en période de wobulation, tu es en 4K. Excusez-moi. C'est marrant. Non, pardon. J'ai rien. Non, on peut couper. On peut pas couper. Non, elle est bien. On peut couper ou pas? Je clique. Je vois le cours. Non, c'est un mot bizarre quand même. C'est un mot bizarre, mais qui est effectivement un mot utilisé en vidéo pour décrire ce phénomène qui consiste en fait à faire vibrer une plaque de verre devant la projection pour créer plus de pixels et donner cette sensation de piqué 4K. C'est une impression de 4K. C'est-à-dire que je rentre une source 4K et... Pas seulement. Parce que la magie, c'est que ce vidéoprojecteur, déjà, il accepte une source 4K.
Je mets une VHS. On lui met une source. Une VHS au fait. Là, on va juste faire une bouillie de pixels. L'avantage, donc, c'est qu'il accepte une source 4K. Donc, lorsque j'intègre une source 4K, il va être au mieux de ses performances. La techno de ovulation est au mieux de sa forme, j'ai envie de dire. Lorsque je branche un Blu-ray, donc juste Full HD, on l'a vu, on l'a testé. Le test paraîtra bientôt sur 01net, sur le site. Et donc cette technologie de wobulation va commencer à créer effectivement donc ces pixels factices qui interviennent à la fois sur la persistance rétinienne et c'est vraiment bluffant parce que alors là ça va être difficile à le montrer mais une seconde vidéo parce que tu l'as testé avec une source 4K qu'est-ce que ça donne avec une source 4K c'est assez magnifique c'est vrai vraiment il faudrait mieux vraiment mieux qu'avec pouvoir... du Full HD on voit la différence mieux qu'avec du Full HD on a quand même certains moments où on se dit bon c'est quand même un peu mieux mais c'est surtout la performance au niveau de l'optimisation d'un simple Blu-ray, on arrive vraiment à avoir quelque chose de saisissant au niveau du piqué. Alors en fait, ça intervient sur différents réglages qui font que si on pousse un petit peu trop loin cette technologie, on va avoir quelque chose qui va devenir finalement trop désagréable, trop prononcé, trop de bruit. Mais on l'a vu avec des démonstrations sur des films où un grain de peau qui est juste à peine visible avec une source Full HD va vraiment être mis en valeur avec cette technologie de wobulation et certains pré-réglages du vidéoprojecteur. Donc c'est vraiment efficace. Donc c'est ça qui justifie le prix et la taille. Alors c'est ce qui justifie le prix et la taille parce que le bloc optique effectivement doit travailler pour mettre cette fonction de wobulation. Et en plus il y a d'autres fonctions qui sont juste géniales parce qu'il a un lens shift motorisé qui autorise beaucoup de déplacements que ce soit vertical ou horizontalement. C'est ça qu'on peut le mettre dans un angle même. Au niveau des réglages c'est juste magique. L'avantage, c'est que par rapport à un vidéoprojecteur 4K, 8 millions de pixels, on descend à 4 millions de pixels, alors qu'un vidéoprojecteur Full HD, c'est 2 millions de pixels. Donc on est sur 3 500 €, certes. Oui. Ça commence à 2 700 € avec d'autres références, mais un vidéoprojecteur 4K, c'est plutôt 6 000 €. Donc, Et puis il y en a chez ce. Donc c'est pas cher. Euros. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on est finalement encore à quelque chose. Et la luminosité est juste un problème, mais un test complet à venir. Voilà, pour tous ceux qui sont fans de home cinéma, c'est une petite révolution. Hein, parce que alors c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, 3 500 €. Oui. Mais pour ce truc-là, on a véritablement une qualité qui dépasse peut-être incroyable. Même parfois ce qu'on a dans les salles de cinéma. Oui, salles de cinéma c'est ça qui est dingue. On si on a la bonne source, cas, oui. Bien sûr. Mais si on a du Netflix 4K, on en parlait tout à l'heure. Oui. Ah, moi, j'ai regardé des séries avec ça, c'est vraiment pas ça dépote. Ouais. Il va falloir qu'un jour on aille chez David. Hein, parce que c'est on va faire un 0 à live. Une fois, rappelle-toi. On est allé... oui. Mais oui, il faudra qu'on nous avait montré des robots qui nettoyaient les vitres. Il ne nous avait pas montré ces salles au cinéma. Ça, il s'était gardé pour lui. Est toujours en ligne. Oui, c'était la maison connectée, mais on va se faire une maison, une maison multimédia. On se fera un 0 à live spécial vidéo projection. On va venir chez David. Venez, viendrez tous. Ça va être sympa. En plus, il a une grande maison, donc c'est cool. Bon, voilà. On avait un programme chargé, mais on est quasiment à l'heure. Peut-être un dernier coup d'œil sur la question 01net Orange. Allez, on y va. C'était le sondage de la semaine. La fermeture de zones téléchargement est-elle un coup dur porté au piratage en France? Voici la tendance. Oui à 35%, non 65%. Vous pouvez continuer à voter toute la semaine. Merci de nous avoir suivis. Comme chaque jeudi soir, toute l'actualité high-tech, c'est le 01 Live Hebdo. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et puis, vous le savez, toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours sur 01net TV. Ouais, merci à Jean-David Duarte, à Pierre Thiolin et à Noémie Lefebvre-Marek qui ont préparé cette émission. Sans oublier Thomas Romiret. Voilà, ils sont tous là. Salut à tous, bonne soirée.